Surtout pas. Ton âme n'a pas envie de louer Dieu. Ton âme est triste ce matin. Mais dis à ton âme que ton Dieu est au contrôle de tout. Que peu importe ce qui va arriver, il voit tout, il t'entend, il te voit. Alléluia. Parle à ton âme ce matin. Dis à ton âme, le Seigneur est au contrôle et je n'ai rien à craindre. Alléluia. Parle, 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 parle à ton âme. Déclare ces vérités sur ta vie. Alléluia. Changer ta perfection.
Ce matin, entends la parole de Dieu qui te dit qu'il est au contrôle et que dans tes inquiétudes, eh bien, tu peux compter sur lui, tu peux compter sur sa grâce pour qu'il puisse te montrer d'une manière efficace qu'il est au contrôle, que tu n'as pas à redouter la tempête, que tu n'as pas à craindre les perspectives d'avenir, ce qui se présente devant toi parce qu'il est au contrôle. Et ce matin, eh bien, laisse le Seigneur envahir ton cœur par cette parole. Et on peut rechanter une dernière fois comme une prière véritablement. Tu es, Seigneur, au contrôle. Et je ne redouterai rien. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Amen. Oh, c'est une déclaration. Alléluia. Alors bien aimé, ouvre ta bouche, ne ferme pas ta bouche. Et alléluia. Encore et encore, tu es mon repos. Seigneur, tu amen. Je ne veux pas m'inquiéter. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Amen. Alléluia. Nous sommes une famille et ce matin nous voulons agir comme une famille spirituelle. Et peut-être ce matin es-tu là dans la crainte, peut-être redoutes-tu un examen de santé, peut-être es-tu en angoisse à cause de la perspective de tes études et on veut vraiment laisser le Seigneur agir et prier les uns pour les autres. Si vous avez besoin, pendant qu'on reprend encore ce chant et on va insister, eh bien approchez-vous sur le devant, là devant la table de scène. Et on veut prier ensemble. On va étendre nos mains vers vous en disant, Seigneur, aujourd'hui ce sont ces bien-aimés qui sont en difficulté, sont mes frères et mes sœurs en proie au doute, en proie à l'angoisse. Mais demain, peut-être ça sera moi. Et j'aurai besoin de la prière, j'aurai besoin de l'action de Dieu, j'aurai besoin d'une action significative du Seigneur dans mon cœur. Et au travers de la communion, au travers du corps de Christ, et lorsqu'un membre souffle, l'Écriture dit que tout le corps souffre en réalité. Et nous voulons apporter notre contribution active à la foi ce matin pour voir ces bien-aimés rassurés, rassérénés, être dans la paix de Dieu, être dans la certitude que Dieu agit encore aujourd'hui, qu'il n'est pas le Dieu du passé, mais qu'il est le Dieu du présent. Alors, quelle que soit la source de vos soucis, de vos fardeaux, approchez-vous pendant que Jocelyne reprend ce chant et après on priera tous ensemble pour ses bien-aimés. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes une église, une famille et nous aimons le Seigneur ensemble et nous voulons voir nos bien-aimés être fortifiés ce matin, être encouragés ce matin.
Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Dans la vallée, je crois. Amen. Ton Saint-Esprit est là pour me conduire. Amen, amen. Merci Seigneur. Tu me guides. Tu me guides. Alléluia. Oui Seigneur, crois-le ce matin. Parle-moi encore, j'ai besoin de toi. On va le redire encore. Amen. Dans la vallée, je crois que tu es là. Dans la vallée, je crois. Ton Saint-Esprit. Alléluia, le Saint-Esprit est là. Oh Jésus. Juste la place. Alléluia. Tu me guides à chaque étape. Besoin de toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Je te donne mon cœur. Merci, Jésus. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles. Seigneur, tu es puissant. Calme, tu Amen. Es mon Alléluia, c'est une réalité, c'est une vérité ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme. Merci Jésus. Amen. Amen. Si les mers se déchaînent, tu parles. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia, béni soit le Seigneur. Amen. Tendons nos mains vers nos bien-aimés, comme pour dire, eh bien, nous sommes avec vous et nous voulons lutter avec vous, nous voulons combattre, nous voulons intercéder avec vous, bien-aimés. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous ce matin, quelle que soit la situation que vous traversez. On a connu, on connaîtra peut-être, et ce matin, on prie pour vous, pour votre santé, pour votre cœur, pour votre esprit, qu'il soit rasséréné, qu'il soit dans le repos de Dieu, parce que Dieu est au contrôle. Prions, 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 prions ensemble. Alléluia, élevons nos voix, élevons nos mains, prions pour ces bien-aimés. Seigneur, merci, parce que tu connais toute situation, tu sais toutes choses, et nous voulons intercéder pour nos bien-aimés. Nous voulons les assister de nos prières. Nous voulons croire et nous croyons, Seigneur, que tu es au contrôle, comme nous l'avons chanté. Ce n'est pas simplement des paroles d'un chant, c'est une vérité de la parole. Tu es au contrôle. Dieu nous a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos du cœur. Et Seigneur, nous désirons ce repos pour nos bien-aimés. Nous désirons l'onction de ton esprit sur leur vie. Nous voulons que cette semaine, ils soient surpris de la manière dont tu vas les accompagner, de la manière dont ta parole va leur parler, communiquer des grâces et des promesses et des bénédictions. Agis, Seigneur, ce matin. Fais grâce, Seigneur, ce matin. Nous sommes avec toi. Et Seigneur, c'est surtout toi qui es avec nous. Et c'est une grâce pour nous. Merci, Seigneur, pour nos bien-aimés. Fais leur grâce ce matin. Agis, Seigneur, là où nous sommes limités. Tu es le Dieu de toute possibilité, de tout pouvoir. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oh, qu'il est merveilleux notre Dieu. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble et dire que tu es merveilleux? Vous pouvez rester là si vous voulez. Alléluia. Amen. Et notre Dieu. Amen, amen, amen. Tu es Dieu. Gloire à toi. Et tu fais de grands prodiges. Merci. Amen, amen. Ton nom si grand, oh, rassemblé, nous t'adorons. Alléluia. Quelle grâce. Merveilleux est notre Dieu. Tu es
Acclamons-le. Notre propre mot.